Wolverine, Logan, James Howlett sont toutes les manières de nommer le X-Men le plus apprécié de la franchise. Mais les griffes sont-elles toujours aussi acérées? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Logan, le 10e film de la franchise X-Men et le 3e centré sur le personnage de Wolverine. Le film est réalisé par James Mangold. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'en ai un peu beaucoup ras la casquette des films de super-héros. Ils m'ennuient très souvent, je ne me gêne pas en ce moment pour les boycotter et quand j'en parle sur YouTube en général, je me fais copieusement allumer parce que j'ai pas aimé. À la vue de la bande-annonce de Logan, pourtant, j'étais quand même relativement intriguée. Le film se présentait comme voulant volontairement avoir une esthétique différente des films précédents. Il se voulait plus sombre, plus intime, peut-être plus violent aussi. Et clairement, ça m'a semblé intéressant. En plus, il y avait une des bandes-annonces qui était carrément sublimée par la chanson Hurt de Johnny Cash, qui est clairement la chanson d'un homme au bout de sa vie, et fait relativement rigolo. James Mangold, qui réalise Logan, était lui-même le réalisateur du biopic sur Johnny Cash, intitulé Walk the Line. Donc il y a fort à parier que James Mangold a vu une sorte de lien entre le musicien et le personnage de Wolverine, et j'ai quand même été relativement intriguée par ça. Venons-en maintenant au film. L'histoire se déroule à peu près 50 ans après l'opus Days of the Future Past. Les mutants ne naissent plus, Wolverine n'est plus que l'ombre de lui-même, il conduit une sombre limousine à El Paso afin de gagner de la thune pour pouvoir l'emmener lui et le professeur Xavier qui est malade au loin. C'est donc clairement la dépression chez les mutants. Pourtant, on va pas laisser Wolverine dans sa torpeur, hein, on va venir le chercher pour qu'il réalise une dernière mission qui en plus implique des gamins. Je vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire, mais ce qui est important de savoir, c'est que ce film contraste quand même, dans sa construction en tout cas, pas mal avec les autres films de super-héros qu'on a pu voir récemment. Déjà, on va éviter de vous passer 20 minutes à vous expliquer qui est Wolverine, que sont les X-Men et ce que fout le professeur Xavier, parce que concrètement, vous êtes censé savoir, c'est le 3e opus d'une trilogie, on va donc pas revenir dessus, et c'est surtout le 10e film d'une franchise, donc vous êtes quand même censé savoir dans quoi vous foutez les pieds. Ça, c'était pas mal. Le film prendra ensuite des allures de road trip et sera finalement bien plus ancré dans le réel que les opus précédents et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors bien sûr, on n'évite pas tous les clichés du film de super-héros, hein, sans aller jusque-là, on respecte quand même certains codes. Bien sûr, les méchants sont toujours très très méchants et sans scrupules. Évidemment. D'ailleurs, il y en a un qui est blond et qui s'appelle Donald et ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis pas forcément sûre que ce soit une coïncidence. Logan est aussi un film bien moins fourni en scènes d'action hyper longues, comme normalement on en voit des tas dans les autres films de ce genre, là non. C'est plus incisif, mais c'est aussi plus violent, plus sanglant, cette fois on y va vraiment carrément, hein, quand Wolverine sort les griffes, et ben elles sont acérées, hein, et ça tranche les têtes dans tous les sens. Il y a du sang, on ne vous épargne rien, ni personne. Le film va donc complètement plus loin que ses prédécesseurs, plus loin dans la violence, plus loin dans la profondeur, plus loin dans le côté intime, plus loin dans l'émotion aussi. Il y a une vraie ambition quant à l'histoire qui cherche constamment à surprendre un peu son spectateur quand même, à aller au-delà des attentes qu'il se fait des films de super-héros. Et au final, le film y tient les promesses qu'il a fait dans sa bande-annonce. Pour une fois! L'année dernière, je faisais un gros reproche à Deadpool qui avait été si aimé parce qu'il avait été censé avoir ce côté hyper vulgaire, hyper subversif, hyper aussi hors des codes. Bah, je trouvais que le film n'était pas allé assez loin dans la promesse qu'il se faisait. Mais s'il faut quand même comprendre une chose, c'est que Logan existe, donc le film, très certainement, parce que Deadpool a eu le mérite d'exister et parce que ça a été un succès du box-office. Parce que chez nous, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que chez nous, ce genre de film, ça va juste être interdit au moins de 12 ans et basta. Alors qu'aux États-Unis, ils sont quand même un peu plus sévères là-dessus, et Deadpool et Logan, c'est un peu les deux seuls films de super-héros qui sont R-rated, c'est-à-dire interdits au moins de 17 ans. Et cette classification, elle est assez lourde de conséquences pour les studios de production, parce que ça veut dire certainement moins d'entrées, plus de piratage, et donc au final, moins d'argent. Et
C'est pour ça qu'en général, on édulcore les films comme Suicide Squad pour éviter cette classification et éviter évidemment de perdre de l'argent. Donc je suis contente que le film ait été à la hauteur de ses ambitions et ait voulu dépasser ça, quitte à se faire R-ratedé, et pour pouvoir être le film qui était vraiment l'ambition de James Mangold, je pense. Bref, je ne veux pas dire que Logan est un film parfait, bien sûr c'est un film qui a aussi ses petits défauts et ses petites faiblesses, mais clairement en comparaison de ce qu'on a pu voir dans les franchises Marvel ces dernières années, il est carrément au-dessus du lot, et surtout même déjà techniquement, parce que c'est un film qui a une superbe photographie, il y a vraiment un travail des couleurs, il y a un vrai travail de mise en scène, il y a des scènes qui sont hyper belles, hyper bien filmées, on voit clairement que James Mangold n'est pas un yes man sur ce coup, on voit qu'il a une vraie vision du personnage de Wolverine, une vraie vision de l'histoire, de l'ambiance qu'il a envie de créer dans ce film, et on voit qu'il a mis de lui là-dedans, et on voit que c'est ça, que c'est sa propre... Et on voit que c'est sa propre réflexion qu'il y a dans ce film. Ce n'est pas lui qui avait fait le premier opus de la trilogie, par contre c'est lui qui avait fait le deuxième, Le combat de l'immortel. Bon, le film n'avait pas été très apprécié des critiques, mais il faut dire que James Mangold, c'est quand même un peu... C'est pas un yes man, comme je disais, c'est quand même un réalisateur qui normalement en impose. Il a fait des grands films comme 3h10 pour Yuma ou encore Book the Line. C'est d'ailleurs un mec assez éclectique, je trouve. Bref, on voit qu'il a sa propre vision du personnage de Wolverine et qu'il a voulu vraiment faire un film hyper intimiste. Ensuite, ça va presque sans dire, mais on est complètement scotché par Hugh Jackman, hein, qui campe quand même le personnage pour la 9e fois, je pense qu'on est proche d'un genre de record. Et on voit que le personnage lui colle à la peau, on voit que c'est presque un double de lui-même, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne totalement, il n'y a pas... C'est hyper crédible, il n'y a pas à se poser la question de si on y croit ou pas, c'est Hugh Jackman, c'est presque Wolverine maintenant, de toute façon. Et même dans les autres personnages, hein, même la petite gamine qui est un peu caricaturale, ben elle a un petit quelque chose qui fait qu'on va accrocher au film, qui fait qu'on va être pris dans l'atmosphère qui est créée, et qu'on va trouver ça assez attachant, et vraiment crédible. Je ne me risquerai pas à comparer ce film avec les autres de la franchise parce que déjà je les ai pas tous vus, je les aime pas tous, etc. Ou alors que ça fait des siècles que je les ai pas vus parce que j'ai pas forcément envie de me les infliger. mais ce qui est sûr, c'est que Logan, il est hyper singulier et sort vraiment du lot, quitte à peut-être dérouter les fans des X-Men de la première heure. Peut-être. Quand j'ai vu ce film un peu en avant-première à la Berlinale il y a quelques semaines, il a été vraiment applaudi en séance de presse. J'ai pu ensuite voir les critiques américains se déchaîner sur Twitter tellement ils étaient contents. J'ai lu plein de superlatifs pour eux. C'était le meilleur film de super-héros de tous les temps, le meilleur X-Men, le meilleur tout ce que vous voulez. Enfin bref, tout le monde était emballé. Et si vous êtes comme moi, une blasée des films de super-héros, vous en avez marre de constamment avoir l'impression de revoir et revoir et revoir la même chose, et ben vous pouvez encore être surpris, et c'est pour ça que j'aime le cinéma et c'est pour ça que je continue à y aller, parce que des fois j'ai ce genre de petits sursauts parce que l'espoir existe en fait. C'est tout. Je le redis, Logan n'est pas un film parfait, mais il brille face à la concurrence. Ça c'est sûr. C'est un film qui va dépasser les clichés du film de super-héros, qui va être plus profond, plus sombre, plus intime, et surtout qui va, comme je le disais, tenir les promesses qu'il fixe dans sa bande-annonce. Il essaye pas de vous flouer ce film, il est à la hauteur de l'ambition qu'il veut créer. Voilà, on va faire un film vraiment sur Wolverine, plus ancré sur la réalité, et on va pas faire comme d'habitude. Je vous invite donc à aller voir Logan, même si comme moi, vous en avez marre des X-Men et marre des mecs en collant. Vous risquez peut-être quand même d'être surpris. Alors maintenant, j'ai dû un peu, comment dire, booster vos attentes, c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça reste certainement le meilleur, ou allez, soyons un peu plus politiquement corrects, l'un des meilleurs films de super-héros qu'on a pu voir depuis très 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 longtemps. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Et je vous invite également à visiter mon Tumblr où j'écris aussi des critiques de films un peu moins attendus, on va dire. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau film.